Le Japon rend hommage aujourd'hui à son ancien Premier ministre, Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier lors d'un meeting électoral. Shinzo Abe qui a battu un record de longévité au pouvoir, presque 9 années, et c'est un très rare privilège que lui accorde son pays avec des funérailles nationales auxquelles assistent les dignitaires d'une quarantaine de pays. Mais cette cérémonie suscite une vive opposition au Japon. Frédéric Charles, vous êtes notre correspondant à Tokyo. Frédéric Charles, plusieurs raison à cette opposition. D'abord, le coût exorbitant de la cérémonie, 12 millions d'euros, mais aussi les liens de Shinzo Abe, du parti conservateur au pouvoir, avec la secte Moon. Oui, les funérailles nationales de Shinzo Abe, un ultra-conservateur, ont lieu à Tokyo au Budokan, une arène réservée aux arts martiaux. Il est situé, le Budokan, entre le sanctuaire controversé de Yakusukuni, où sont honorées parmi les morts les âmes de criminels de guerre. Et Shinzo Abe y faisait régulièrement des offrandes. Et le palais impérial, le grand absent de ces funérailles, est l'empereur Naruhito, tout comme son père. Il n'appréciait pas la tendance de Shinzo Abe à atténuer les crimes commis par le Japon durant la guerre de la Grande Asie. 20 000 policiers sont mobilisés dans le centre de Tokyo. Des manifestations à proximité du Budokan s'y déroulent. Plus de 60% des Japonais sont opposés à cet hommage national. Ne célébrez pas un révisionniste, lit-on sur une pancarte. L'assassinat de Shinzo Abe a aussi révélé ses liens étroits avec la secte Moon. Et sur une autre pancarte, on lit « Interdisez cette secte qui ruine nos familles ». Malgré tout, Frédéric Charles, une quarantaine de dignitaires étrangers assistent donc à cette cérémonie. Et pour eux, Shinzo Abe est avant tout l'homme qui a mené une diplomatie très active sur la scène internationale. Oui, c'est vrai, la chaîne de télévision publique NHK couvre cette cérémonie avec le plus grand respect pour Shinzo Abe. Il a contribué à l'émergence d'une région indo-pacifique pour contrer les ambitions de puissance de la Chine. Il s'est rapproché de Taïwan, il a renforcé l'alliance avec les États-Unis. Et il n'était pas impopulaire, sinon son parti conservateur ne l'aurait pas laissé au pouvoir durant plus de 8 ans. La vice-présidente américaine Kamala Harris, le président vietnamien, d'autres saluent aujourd'hui à Tokyo Shinzo Abe, le réaliste, dans une région du monde lourde de danger. Merci Frédéric. Frédéric Charles, en direct de Tokyo.